Dans cette vidéo, j'ai modifié le jeu pour être capable d'obtenir 9 super jumps sur Minecraft. Par exemple, en faisant ce craft, j'obtiens le jump de transmutation. Et le jump de transmutation, il permet tout simplement de faire ça. Ouais, avouez que c'est plutôt cheaté. Bon, par contre, maintenant, suffisamment blablaté, il est temps de mettre notre inventaire à zéro et il est temps d'aller crafter nos outils. Et hop, les outils sont craftés. Alors, autant dire que maintenant, si jamais on avait un KFC, ce serait beaucoup plus simple parce que je vais avoir besoin de dizaines de milliers de plumes. Bon ok, j'abuse un peu, mais à mon avis, vous avez compris le concept. Et KFC, trouvé. Voilà, fabuleux. Fabuleux, buleux, buleux. Et de 3 plumes. Et de 4. Et de 5. Et de 6. Et de 7. Et de 8. Maintenant, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Parce que le premier craft qu'on va se faire, c'est tout simplement le mining jump. Et du coup, comme vous l'avez vu, je vais avoir besoin d'énormément de minerais. Mais pour avoir des minerais, la première chose qu'il va me falloir, c'est tout simplement une pioche en pierre. Voilà qui est quand même plus rapide pour miner. Ça, on va pas se le cacher, ça fait plaisir. Hop, on récupère un petit peu de pierre pour se faire un petit fourneau, ça fait plaisir. Et là, maintenant, tout de suite, le premier truc qu'on va faire, bah, essayer de regarder ici si on n'a pas de fer. Et il me semble que non. Et en fait, j'ai jamais eu aussi tort de ma vie, parce que surprise, on a trouvé du fer. Mais par contre, je suis en train de crever de faim, donc pack, on craft la fournaise, et on met le KFC au four. Voilà, nickel. Et maintenant, on va pouvoir se récupérer un petit peu de fer. Comme ça, je vais enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Et on va pas se cacher que tout travail mérite salaire. Du coup, moi, je me rémunère en KFC. Ouais, je crois que j'ai un petit problème avec la nourriture, moi. Bref, maintenant qu'on a fait de la place, il est temps de mettre le fer à cuire, et de se faire la première pickaxe en iron de cette aventure. Et on n'oublie pas la deuxième, parce que mon petit doigt me dit que je vais bientôt en avoir besoin. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais je vais avoir besoin de cuir. Bon, après, ça, c'est pas vraiment une vache, mais écoutez, je prends aussi parce que les plumes, on va en avoir besoin en tabarnak, mon ami. Ça, t'as pas idée. Et pack, normalement, la dernière vache. Ah, oui, fabuleux, on a nos 4 de cuir. Et 4 de cuir, ça veut dire que je peux faire des bottes et que je vais pouvoir les entourer de plumes, ce qui va me donner le jump switcher. Et le switch jumper va tout simplement me permettre de changer de jump quand j'en aurai envie. Vous allez voir, c'est sacrément pratique. Bref, pour le coup, maintenant, il va vraiment falloir que je me mette en quête d'un désert. Parce que vraiment, je vais sacrément en avoir besoin sur cette aventure. J'ai failli mourir. Oh la vache! Mais au moins, vous savez quoi? Ça me permet de récolter un tout petit peu de fer. Et autant dire que la crevasse était sacrément rentable parce que j'ai récupéré 19 d'iron. Ouais, sincèrement, j'aimerais tomber dans des crevasses comme ça plus souvent. Mais bon, bref, revenons à nos moutons parce que là, maintenant, tout de suite, la chose qui va me falloir le plus au monde, c'est tout simplement un désert. Parce qu'en fait, pour mes deux premiers crafts, soit il me faut de la gunpowder, soit il me faut des pieds de lapin. Et les deux se trouvent en quantité très très abondante dans les déserts. Du coup, bah écoutez, on va y aller, mais d'abord, on va se piller un petit village. Hop, ça c'est pour moi, ça aussi d'ailleurs, et on va pas se gêner pour prendre ça non plus. Eh bah écoutez, village sacrément rentable parce qu'on est presque full stuff. Bon, par contre, il manque toujours un désert, mais ça, normalement, ça devrait arriver très très vite. Et surprise, le désert, on a trouvé. Bon, par contre, ce désert, il manque sacrément de lapins et il manque sacrément de pyramides. Ki-ki-ki-ki-ki-ki, petit lapin de Pâques, viens ici. Allez, chacal, fais pas le radin, t'en as 4 des pieds, donne-en un. One eternity later. Ah! Enfin! Enfin! Après 35 milliards d'années, je l'ai! Plus beau jour de ma vie, messieurs dames! Oh, je vous jure que c'est pas de l'overreact. Je suis tellement content de l'avoir. Bon, par contre, il va vraiment falloir que je fasse attention parce que là, vraiment, c'est Walking Dead ici. Non, vous aurez pas mon pied de lapin, les gars. Non, c'est à Johnny Del Patron, bien sûr. Voilà, filé. Du coup, messieurs, dames, premier jump, le jump de hauteur. Oh, fabuleux, on prend aucun dégât de chute. Ça, c'est pas mal, ça. Ça va vraiment être cool pour trouver une pyramide, ce petit truc-là. Ki-ki-ki-ki-ki-ki, petite pyramide, viens voir tonton. Et par contre, là, il est vraiment temps que le jour se lève, parce que la vérité, je vais pas tenir longtemps. Et jackpot, on a trouvé une petite pyramide Hamidou. Et Hamidou, comme ça me fait plaisir de te voir. Oh, mais frère, ça se fait pas de faire des bails comme ça. Il me reste un cœur. Oh ouais, eh vraiment, j'espère qu'il y a une pomme dorée là-dedans, parce que sinon on va crever. Hop, on bouche ici, comme ça personne vient me voir. Et ouverture de coffre. Oh, pas mal du tout. On va pouvoir bouffer, messieurs dames. Voilà, nickel. C'est pas de la bouffe 5 étoiles, mais écoutez, ça suffira pour aujourd'hui. D'ailleurs, on va en profiter pour faire cuire un petit peu de bouffe. Et on va pas se cacher que j'en ai énormément. Mais bon, vous connaissez l'être humain, hein. On est des gros flemmards. Oh, looting 2, mais donne un petit peu de fer, ok, c'est pas mal. De la gunpowder, nickel. Et dans le dernier coffre, petite pomme dorée, on l'a demandé.
Et on l'a eu. Hop, on va récupérer la TNT. Parce que la TNT, messieurs dames, je vais en avoir besoin. Parce qu'avec la TNT, je peux tout simplement crafter le jump explosif. Voilà, juste comme ça. Hop, on va la prendre. On va faire attention de pas tout faire péter. Mais je peux maintenant également crafter le jump mineur. Et le jump mineur, il permet de faire ça. Voilà, tout simplement. Et maintenant qu'on a plusieurs jumps, voilà à quoi sert le switcher. Hop, là maintenant, je saute très très haut. Et là maintenant, tout de suite, eh ben écoutez, je suis un creeper. Voilà, fabuleux. Comme une célèbre expression dit, creepera bien qui creepera le dernier. Hop, du coup, j'ai envie de dire, moi, il est temps que je parte chercher du diamant maintenant. Voilà. Et on va pas se cacher que c'est quand même sacrément pratique, ce truc. Et hop, on est à la bedrock. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer, eh ben, tout simplement, en mining jump. Voilà, normalement, ça devrait être plutôt simple pour trouver du diamant. Oh, jackpot, messieurs dames, les premiers diamants, regardez ça. Est-ce qu'on n'est pas des mineurs, nous? Bah si, bien sûr que si. Sincèrement, ce plugin, il est complètement pété. J'espère que vous le kiffez vraiment. Et d'ailleurs, si vous le kiffez, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Bref, du coup, moi, de mon côté, il est temps de monter. Parce que là, maintenant, tout de suite, je vais me crafter le jump de transmutation. Alors, laissez-moi juste trouver un petit peu de charbon. Voilà, un petit peu de charbon. Et là, maintenant, tout de suite, normalement, ça va être beaucoup plus simple. En fait, oubliez, parce qu'on a des mobs qui veulent ma mort. Viens ici, toi. Non. Oh, 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 oh. J'ai été sage. Je suis gentil. Cours, John, cours. On se croyait invincible, mais on n'est pas du tout invincible, frérot. Bien sûr que non. Viens ici, toi. Meurs. Voilà, nickel. On a fait du diamant. Si je fais pas ça, je vais crever. Voilà, 32 diamants. Je crois que ça devrait suffire. Du coup, surprise, on est full diamant. Mais par contre, on crève de faim. Donc j'ai envie de dire, on va remonter à la surface, parce que sinon, tonton Johnny, il va pas continuer à vivre longtemps. Non, ça c'est une certitude. Bon, bah écoutez, maintenant qu'on est à la surface, il n'y a plus qu'à partir chasser. Petit, petit, petit. Hop, 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 hop. Eh, je sais pas si vous voyez ça, mais je crois qu'on a trouvé bien mieux que de la bouffe. Par contre, Houston, on a un problème. J'ai plus de table de craft. Oh, du coup, l'arbre, on a trouvé, mais il va falloir faire très, très, très attention. Parce qu'à l'heure actuelle, aïe, 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 aïe. Bref, c'est pas grave, on va faire attention et on va faire avec surtout. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce beans là? Ouais, je dois avouer que je suis sans voix parce que regardez ça, ça a dupliqué mon gold et le diamant aussi, ce qui est plutôt pas mal, on va pas se plaindre. Et d'ailleurs, je viens de trouver un petit bug là, quand je saute comme ça sur la grâce, normalement, eh bien la stone n'est pas du tout censée se transformer. Mais écoutez, là je sais pas pourquoi, mais tout s'est transformé, donc c'est plutôt une très très bonne chose. Bref, du coup on va faire ce pourquoi on était venu. Et hop, on a récupéré le bois. Et du coup, écoutez, on va faire une petite pause dans cette forge. Comme ça, je vais pouvoir faire cuire mes minerais. Bref, 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 il va vraiment falloir que je bouffe très très rapidement. Parce qu'à l'heure actuelle, le ventre du Johnny, il crie famine. Oh! Saleté de creeper! Oh. Ah bah écoutez, le creeper, il m'a fait peur. Ouais, c'était la blague du jour, vous avez le droit de la noter sur 10 en commentaire. Du coup, de mon côté, on se refait le plastron en diamant. Et je vais même en profiter pour me faire une houe en diamant. Maintenant, on va pouvoir piller l'intégralité du village. Bon, allez, maintenant, retour aux choses sérieuses. Parce que là, maintenant, tout de suite, il est temps de se crafter l'enclume. Et l'enclume me permet tout simplement de mettre Looting 2 sur l'épée et de mettre Unbreaking 1 dessus. Parce que pourquoi pas. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais si jamais on veut continuer cette aventure, il va me falloir beaucoup plus de plumes que ça. Du coup, écoutez, on est reparti à la chasse au KFC. KFC, ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki, petit-petit, viens voir Johnny. Et KFC, trouvé. Mais par contre, il a quelques gardes du corps. Mais ça va pas m'empêcher de le déglinguer. Et hop, la dernière plume. Voilà, nickel. Du coup, là maintenant, tout de suite, laissez-moi vous présenter le jump qui va me permettre de voler. Voilà, nickel. Ça, c'est plutôt pratique. Est-ce qu'on n'est pas totalement en train de fly sur Minecraft, nous? Et hop, on est dans le nether. Voilà, et pendant que j'ai le temps, je vais en profiter pour me crafter ceci. Le healing jump. Le healing jump, rien de plus simple. Dès que je vais prendre des dégâts et que je vais sauter comme ça, eh bien écoutez, je récupère ma vie. On va pas se cacher que c'est complètement pété. Bref, du coup, moi je pars en flyant.
Et je vais partir à la recherche d'une forteresse. Et normalement, ça va pas être très très long. Et messieurs dames, surprise! J'en ai profité pour passer full diamant. On va également passer en healing job, parce qu'à mon avis, ici, on va se faire brûler la merguez. Allez, pour le condor, mon ami! Donne les bâtons! Voilà, et de deux! Et hop, on en profite aussi pour aménager le spawner, parce que spoiler alerte, il s'aménage pas tout seul. Et pack, maintenant, il y a plus qu'à attendre des copains. Et de 6. Et de 9. Et maintenant, plus qu'à trouver des Enderman. Et ça tombe bien, ils sont juste ici. Qui, petit Enderman. Venez voir ici, venez voir tonton, bien sûr. Vous inquiétez pas. Oh, pop, 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 pop. Alors ça, c'est pas mal, ça. Petite forteresse des familles. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, ça, je dis pas non. Oh là là, mais en plus, c'est un des plus beaux bastions qui soit, fabuleux. Oh, comment osez-vous? Oh, heureusement que j'ai le jump cheaté, parce que sinon, je serais mort. Oh là 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 là. Voilà, nickel. Saleté de saucisson, on va. Et écoutez, on va même en profiter pour récolter les blocs de gold. Parce que les Enderpearls, elles vont pas se faire tout seul. Et en fait, je sais même pas si je vais avoir besoin de trader avec les Biglins. Parce que là, on a une armée d'Enderman ici. A few moments later. Eh ben écoutez, après énormément de temps, on est à 14 perles. Ce qui me permet tout simplement de faire ceci. Des téléportation boots. Et écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Oh, c'est même cheaté en fait. Dès que je vais sauter, je vais rejoindre par exemple cet arbre. Oh, oh là là, c'est génial. Oh, c'est génial. Hop. Et on est dans l'océan. Bon, par contre, ça fonctionne absolument pas dans l'eau. Mais bref, écoutez, c'est pas bien grave. Moi, je vais me couler et je vais tout simplement me crafter les perles de l'End. Et du coup, pack. On va buter le gros. Et là, j'ai envie de dire, on va passer en mode fly. On va se récupérer le petit arc. Et normalement, là maintenant, tout de suite, eh ben écoutez, ça va être une partie de plaisir parce que le jeu va pas être trop compliqué. Et hop, maintenant il n'y a plus qu'à buter le gros avec l'explosion jump. Du coup, écoutez, holy! Adios Dragonettos! Eh ben ce petit saut, il était sacrément cheaté. Bref, du coup, pour ma part, j'espère sincèrement que vous avez kiffé cet épisode. Si jamais c'est le cas, il y a deux vidéos qui s'affichent ici que vous devriez extrêmement kiffer aussi. Pour ma part, c'était John. N'oubliez pas que je vous kiffe. Peace!